Photo, Laurent Delahousse et Maître Gims. Le journaliste se. C'était peut-être le poisson d'avril de Laurent Delahousse. Le journaliste a ainsi invité sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche diffusée sur France 2, les deux chanteurs Vianney et Maître Gims, à l'occasion de la sortie du dernier album de ce dernier intitulé Ceinture Noire et sur lequel figure son duo La Même. À l'issue de l'interview, les deux artistes ont interprété en live leur chanson phare. Une séquence mémorable pour une étonnante raison. Après avoir évoqué la diffusion du film Papy fait de la résistance sur France 2, Laurent Delahousse a lancé un défi au chanteur Vianney: porter les mêmes lunettes de soleil que Maître Gims. Mais l'interprète de Je m'en vais a préféré lui rendre l'appareil. C'est à vous de les porter, Laurent, a-t-il lancé, visiblement amusé. Non sans une hésitation, le compagnon d'Alice Taglioni a finalement accepté ce défi en portant ses lunettes de soleil. Une image étonnante qui prouve une fois de plus que Laurent Delahousse brise les codes des journaux télévisés, jugés parfois trop rigides. Le journaliste a également accepté de poser aux côtés de Maître Gims et Vianney pour un selfie improvisé. Un cliché très vite posté sur les réseaux sociaux et qui a évidemment affolé la toile. Un moment magique, merci à vous, a écrit une abonnée. Laurent Delahousse a joué le jeu, c'est excellent, peut-on lire également. Vianney Musique. Laurent Delahousse _ et _ La Même _ Ceinture Noire. France 2 twitter.com/x486kqqt. Crédit photo, France 2.